Vous êtes sur Udoubiz et nous sommes ici au Spring Campus de Croissance Plus. Avec moi, Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Jean-Marc Daniel, vous êtes professeur d'économie à l'ESCP Europe et aujourd'hui, face aux entrepreneurs de croissance de Croissance Plus, vous êtes déjà venu présenter un certain nombre de poncifs. Je vous propose peut-être d'en choisir un car le temps nous est compté. Oui, je crois qu'un des poncifs les plus ordinaires, c'est de croire que c'est la politique monétaire, l'action du banquier central, tout ce monde un peu mystérieux de la finance publique et de la finance administrée par la banque centrale qui va résoudre nos problèmes. Ça prend d'ailleurs deux formes absolument extraordinaires. La première, c'est le commentaire des propos des banquiers centraux attendus un peu comme la Pythie autrefois dans la Grèce antique. Et deuxièmement, une nostalgie en France de la période où on pouvait dévaluer et donc où l'outil monétaire pouvait être utilisé pour générer de l'inflation, corriger des répartitions de revenus, réorganiser le tissu productif. Alors aujourd'hui, c'est plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour aller chercher la croissance? Alors, je crois qu'il faut revenir au centre de ce qu'est la croissance, à l'origine même de la croissance. La croissance, quand on regarde toutes les analyses qui en sont faites, c'est de l'énergie pas chère. Donc là, il y a tout un enjeu autour de l'évolution du marché de l'énergie, des gaz de schiste. Mais c'est surtout deux choses essentielles. L'employabilité, la formation de la population, la capacité du capital humain à répondre aux exigences de la société moderne et puis du progrès technique qui va valoriser ce capital humain. Et donc l'innovation, le progrès technique, c'est l'enjeu majeur maintenant pour une société pour retrouver de la croissance. Nous avons des pertes de croissance potentielle par épuisement d'une certaine forme de progrès technique dans les pays occidentaux et maintenant tous ces pays-là se disent il faut faire un effort d'innovation considérable. Alors justement, quelle est la place de la France dans l'échiquier mondial aujourd'hui? Alors, la France est encore une grande économie. C'est, suivant comment on comptabilise ça, la cinquième ou la sixième économie. Les Français et les Anglais se disputent d'ailleurs la sixième place pour savoir quelle est la réelle économie de référence en la matière derrière l'Allemagne en Europe. Il y a deux forces pour la France. La première force, c'est qu'il y a encore une population jeune et une population avec une croissance démographique assez dynamique. Alors que les vieux pays industrialisés comme l'Allemagne ou le Japon sont dans une situation d'épuisement démographique. Et la deuxième force de la France, c'est qu'elle a une population qui est relativement bien formée et donc qui aurait une capacité à répondre aux exigences du monde moderne si on la laissait vivre. Un des handicaps clairs de la France, c'est la difficulté à créer une entreprise, avec comme conséquence que cette population bien formée a tendance à s'en aller. Un mot sur le pacte de compétitivité ? Alors, on est dans la phase où il est devenu le pacte de responsabilité. Et ce pacte de responsabilité, au départ, il part d'une bonne intention. Parce que je pense, quand on analyse les propos du président de la République, qu'il a une assez claire conscience à la fois de la réalité économique et des enjeux économiques de moyen long terme. Mais assez vite, il a été soumis à des pressions diverses et il a orienté la vision du pacte vers l'immédiateté de l'emploi non qualifié. Or, l'enjeu, ce n'est pas de donner un emploi aux gens qui sont peu qualifiés, mais de leur donner une qualification. C'est-à-dire, le pacte de responsabilité qui devait être un pacte de croissance est en train de devenir un pacte d'emploi avec comme objectif qu'on passe à côté de l'enjeu qui est l'employabilité, l'efficacité, l'investissement des entreprises. Donc, une problématique sur les contreparties attendues ? Alors, sur les contreparties, c'est, je pense, pour satisfaire les exigences symboliques de sa base. Personne ne peut imaginer qu'une entreprise, sauf dans une économie planifiée, et heureusement nous n'en sommes plus là, ne peut prendre des engagements à 2, 3, 10 ans sur la réalité et de son marché et de l'emploi et de la réalité de ses résultats. Alors, on a dressé un certain nombre de constats. Est-ce qu'il y a un dernier mot d'engagement positif pour les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont en phase de lancement ou de développement de leur jeune entreprise? Je crois que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, il y a deux éléments positifs et deux éléments enthousiasmants. C'est qu'on vit une période de mutation technologique assez forte. Et si ça va être à l'écoute de ces mutations technologiques, si ça va être à l'écoute de cette transformation, notamment par l'informatique, par les nouvelles techniques de l'information et de la communication, ils peuvent se développer très, très vite. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a toute une partie de l'humanité qui est en train de rattraper le niveau de vie des Occidentaux. Et donc, il y a une sorte de croissance naturelle qui va se faire. On le voit en Chine, on le voit en Inde, on va bientôt le voir en Afrique. Et donc, aller au-devant de ces marchés porteurs, ne pas hésiter à franchir le Pacifique et ne pas hésiter à aller voir vers ces nouveaux pays, tout en sachant que ça ne veut pas dire un déclin des autres pays. Ça veut dire qu'ils se rapprochent de nous, ça ne veut pas dire que nous tombons, ça veut dire qu'eux montent. Et donc, il faut aller vers eux et à ce moment-là, on a des opportunités énormes. Les opportunités sont là, saisissez-les. Jean-Marc Daniel, un grand merci. On était sur Udoubiz au Spring Campus de Croissance Plus.